Ah, pour la mais Jacques, oui, vous savez ça. Il arrive entre vos mains. Ah, les lunettes ressortent du sac. Je veux, le temps que je vous explique votre rôle. Oui, d'accord. Vous, et vous êtes Bernadette Chirac. Oh, et non. Oui, c'est comme ça. C'est les pièces jaunes. Et là, de la chance, Bernadette, vous jouez avec Guillaume Meurice, qui est Didier Deschamps, oui, qui a remplacé David Douillet. On se rend sur le quai de la gare pour le train des pièces jaunes. Écoutez, j'ai aussi envie de vous dire que l'important, c'est avant tout le collectif. Mais quel talent, ce Didier Deschamps. Je dirais qu'il faut prendre les pièces jaunes les unes après les autres. Vous êtes parfait, mon garçon. Souriez, souriez. Comme ça? Elles sont très bien, ces nouvelles dents. Ça vous a coûté cher? Merci. Et Bernadette, un petit peu. Vous aimez? Disons que j'étais inquiet que vous fassiez l'opération pièces jaunes avec des dents de la même couleur. Mais là, c'est très bien, ne changez rien. Oui, l'opération dents blanches a été un grand succès, on peut le dire. En effet, parce que vous savez, vous faisiez peur aux enfants. Hein. À propos, vous avez fait quoi de David Douillet? On a eu les occasions, mais c'est pas rentré. Je sais pas si c'est pardon la bonne ligne là. Ouais, ça me paraît. Si, mais j'ai besoin de... Mais c'est pas rentré, oui. Quoi? Qu'est-ce qui n'est mais pas lisez rentré? Lisez la suivante, oui, pour la Jacques. Il faut lire peut-être la suite. Oups, moi aussi je me mets à parler comme un footballeur. Voilà, concentrons-nous sur l'objectif, la victoire avec un maximum de possession de pièces. Ce sera bien la première fois que vous gagnez avec la possession. Oh, on sent que c'est un Belge qui a écrit le sketch. Sinon, vous avez une stratégie? Ah, j'ai envie de dire que je vois plutôt un 4-4-2. C'est sexuel alors, Sexuel ou ça? Du calme, Jacques. Oui, du calme. J'avais surtout envie de dire quatre personnes qui collectent à l'arrière, quatre au milieu et deux devant. Didier, je vous le répète, vous êtes un génie. Oh, disons que je suis très sensible à la cause de l'enfance. Dites-moi, est-ce que vous avez des enfants peut-être? Je dirais au moins 11. Quelle santé! Quelle santé! Avec la même femme! Ça, c'est vous. Et mon préféré s'appelle Kylian. Jacques, n'écoutez pas, soyez gentil, rendormez-vous. Et moi, une corona. Il me fatigue, il est là au milieu du jeu de qui, il ne fait rien. Non, je connais le problème, j'ai ça avec Olivier Giroud. C'est pire, il n'est même pas sur le terrain et tout le monde l'adore. C'est plus comme Adil Rami, vous voyez. Oui, dites petite question, le train pièce jaune, il va s'arrêter à Marseille? Oui, alors. Et alors, en termes d'image de vainqueur, vu les résultats de l'OM? Oh là là, oui, mais qu'est-ce qu'on va dire si c'est un échec? Oh, je dirais qu'on a bien joué, qu'on n'a pas démérité, mais qu'on n'a pas su être réaliste. Je dirais la même chose de mon parcours politique. Eh ben, voilà. Merci.